Salut la compagnie, je suis reparti pour une nouvelle aventure. Ce soir je dors à 2300 mètres, je suis dans un décor magnifique, dans le massif du Mont Blanc. Allez, restez avec moi. Là on arrive bientôt au sommet, 2300 mètres. Je vais aller chercher le lac blanc là-bas pour voir s'il y a des spots pour dormir cette nuit. Bon, juste derrière moi, il y a un panneau qui indique qu'on rentre dans une réserve naturelle, la réserve naturelle des Aiguilles Rouges. Donc on a plusieurs restrictions qui sont présentes. On a interdiction d'avoir un chien, on a aussi interdiction de cueillir. On peut pas faire voler de drone et de faire de parapente et on peut pas camper et non bivouaquer. On a le droit de bivouaquer de 7h à 8h le matin. Donc ça, je vous laisse vous renseigner dans une vidéo que j'ai sortie il y a déjà quelques temps, où j'explique vraiment toutes les restrictions et comment savoir, justement, comment les connaître assez rapidement. Il y a des sites, etc., pour se renseigner. Voilà la petite histoire. Bon, il commence à se faire tard, je vais donc chercher un spot pour dormir. Je vais voir si je peux me mettre la tente, sinon j'y ferai à la belle étoile. Ça y est, je viens enfin de trouver mon spot, j'ai installé la tente. Donc c'est une tente en fait qui est très polyvalente. On peut faire aussi bien des hamacs que simplement un tarp ici en dôme ou alors une tente hein, traditionnelle. Donc ce soir je vais mettre la tente, la disposer en tarp dôme comme ça. Parce que là ils annoncent pas de pluie, il fait beau, donc ça va juste me protéger de l'humidité parce que j'ai pas de sursac.
Ok, salut, je viens de me réveiller, il est à peu près 6h30, 7h. J'ai assez bien dormi, surtout en deuxième partie de nuit. En première, j'avais un peu limite froid, mais je pense que j'avais mon manteau, enfin ma doudoune qui était assez humide, du coup ça apportait de l'humidité dans le sac de couchage. J'aurais peut-être dû l'enlever. Et après, je me suis réveillé, je transpirais à moitié, donc le sac était bien efficace. Pour la tente, vraiment sympa, ça a permis de protéger de l'humidité parce que c'était pas mal humide cette nuit-là. Et ça a permis aussi d'avoir une vue en panoramique. Donc vraiment sympa ce setup là. Et puis voilà. Bon allez, je fais un petit déjeuner parce qu'il commence à faire faim. Bon, c'est bon, c'est l'heure de ranger, je vais reprendre la marche pour redescendre à la voiture, redescendre dans la vallée. Sinon je voulais faire juste un dernier petit point sur la tente là. Donc cette tente, c'est le modèle Adventure V4, donc de la marque KO. Vous voyez qu'il y a, encore une fois, c'est précisé sur le... Il y a une notice aussi, mais c'est précisé sur l'emballage. Vous pouvez vraiment faire toutes sortes de setup avec cette tente. Alors là, au sein du paquetage, là on voit également écrit tous les détails des éléments avec leur poids. Et on voit que l'ensemble fait 3,4 kg, donc c'est vraiment lourd. Après, vous voyez, on peut juste, par exemple, si on veut prendre les hamacs, bah, ça fait juste 1,2 kg. La moustiquaire, ça fait juste 1 kg. Donc en fait, on peut vraiment séparer les aliments et prendre ce qui nous intéresse. C'est une tente de personnes, comme on peut voir ici. Donc vraiment, il y a vraiment de l'espace, surtout si on utilise l'autre bâche là, celle qu'il y a en plus pour refaire un appentis. On peut même, ça peut mettre pas mal aussi pour du road trip en vélo ou ce genre de truc là. J'ai plus beaucoup de batterie et ça tombe bien parce que j'arrive à terme de ce bivouac. Je redescends tout doucement vers la voiture et la vallée. J'espère que ces beaux paysages, etc. vous ont fait voyager, que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, surtout à me suivre sur Instagram où je poste régulièrement des stories pour un petit peu compléter mes vidéos. Et je suis un peu plus présent sur mes stories. Voilà, sur ce, portez-vous bien et ciao!